d'Afresh Morning. Urban FM. Et sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine est écoute lumineux pour le titre Rokonolo dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Tu vas sûrement me demander c'est qui lumineux. Il va te répondre. Lumineux, bonjour. Bonjour, bonjour la famille. Comment tu vas? Je vais très très bien. Bienvenue au Gabon. Merci. Et merci d'avoir participé à cette Coupe d'Afrique des Nations de côté artistique. Lumineux te connaît particulièrement, pas pour tout le monde, nous, les gens qui sont dans le monde de la musique, on te connaît, bien sûr. Oui, tu croyais qu'on ne te connaissait pas? Non, nous, on te connaît ici à Urban FM. On te connaît ici à Urban FM et on est très content de te recevoir dans notre studio. C'est très, très, on va dire quoi, gratifiant pour toi de nous offrir ta présence dans notre studio. Alors, parle-nous un peu de tes activités. Tu vis dans quel pays exactement? Parce qu'on ne voit que les vidéos sur YouTube. D'accord. Donc, bonjour encore à tout le monde. Gabon, Congo. Pourquoi Congo? Parce que je suis d'origine congolaise. Congo, RDC. Mais j'ai eu à vivre la moitié de ma vie là-bas, mais le reste, c'était un peu partout, dont l'Inde. J'étais en France pour un moment, l'Afrique du Sud. Et voilà, maintenant, c'est là où je vis, enfin. D'accord. Là où je réside, en Afrique du Sud. Alors, j'ai eu à travailler avec certains artistes en Inde, mais... j'étais pas très content. Pour ma carrière, il fallait que j'aille un peu plus loin parce que les Indiens sont très patriotes, très restreints. Ils s'aiment entre, c'est leur musique qu'ils écoutent et tout. Alors je me suis décidé, ok. Tu as tenté de chanter avec les gars là? Mais je te jure, je te jure. Toi tu es fort, quoi. J'avais pas le choix. Il fallait pas être ça. Oh non, je ne voulais pas mimer. Comme toi-même, tu as fait. Je te jure. Je me suis retenu, quoi. Non. J'ai dû essayer de mélanger la culture et tout, mais j'ai quitté. Et c'est en Afrique du Sud que ça a vraiment commencé à prendre. Les gens ne me voyaient pas trop parce que j'ai travaillé plus dans la production. Je suis auteur-compositeur, moi-même performeur et chanteur. Mais la grande partie de mon temps, je produisais pour les autres, surtout en Afrique du Sud. J'ai travaillé pour des grandes stars sud-africaines. Il y a les grands comme Oskido, les grands rappeurs comme Cash Time, le label Cash Time, Femme. J'ai travaillé avec tout le monde. Et je me suis dit, ok, là, je produis pour les autres, mais... Pourquoi vous qui avez le talent de composer et de produire, à un moment vous vous sentez de chanter? Non, parce que... Ou le besoin de chanter. C'est pas qu'on C'est parce que faire... vous vous reprochez le fait que les autres ont trop le buzz avec vos... Et vous, on ne vous connaît pas. L'ego, c'est pas l'ego qui se met. C'est pas un peu l'ego? Non, c'est... Qu'est-ce qui ne vous dit pas que Dieu vous a fait pour composer et produire? Au départ, je m'arrêtais à ça, à produire et tout. Mais j'ai réalisé qu'au départ, je n'ai pas commencé avec la production. J'ai commencé, j'étais reconnu au Congo en tant que Michael Jackson. C'était la danse. C'était la danse. Je dansais, je performais à chaque fois qu'il y avait une Avec le moonwalk et tout ça. Magnifique. Enfin, ça, je peux un peu avoir de la fierté. Oui, magnifique. Ça se voit. Alors, j'ai passé mon temps à danser jusqu'à ce que ce talent de produire la musique s'est réveillé en moi. J'ai appuyé les boutons, j'ai mis la danse un peu à côté et je me suis. J'ai gardé cette partie de parolier, de talent de production et tout. Je me suis un peu oublié. Alors en voyant ça, quand tu produis pour quelqu'un d'autre, pas seulement il chante ta chanson, mais il danse ta chanson et les gens l'écoutent et tout. Alors je me suis dit, mais moi, ma plus grande passion, c'était ça, c'est danser, c'est performer devant les gens. J'ai envie de voir qu'ils voient le talent que Dieu m'a donné. Et c'est ça qui m'a rêvé, qui m'a dit, ok, tu as fait pour eux, vas-y maintenant, essaye de faire pour toi. Et c'est comme ça que j'ai eu à produire beaucoup de gens et j'ai créé ce style que j'appelle Zamunda. Pourquoi Zamunda? Parce ça que... nous fait rapport. Penser au prince de Zamunda, le royaume du Zamunda. Voilà, chez Ao Lion. Voilà, je me suis rappelé d'Hakim, je me suis dit voilà,
parce que cette musique était assez particulière. C'était du, moi je l'appelle de l'Afrique classique, la musique africaine classique qu'il y avait dans cette dans ce film. Et je me suis inspiré de là pour créer ce que j'appelle aujourd'hui le Zamunda et que je veux voilà promouvoir. Et c'est comme ça que beaucoup d'autres stars ont apprécié. Comme voilà, on a pas, je travaille avec Damon Platinum déjà sur le remix de ce son que vous avez écouté, Rokonolo. Ouais. Je travaille avec Franco, Moumbi, avec Fally Poupa, avec vraiment un grand nombre de grands artistes juste à cause de ce son qu'ils ont apprécié. Et là aujourd'hui, j'ai l'honneur de venir voilà, passer un bon temps avec vous au Gabon et de performer sur un grand podium comme ça. C'est le rêve de beaucoup d'artistes et je suis parmi le groupe de ces grands artistes et je suis très honoré. Vraiment, ce qui est à la maison, si vous venez, je vais vous donner quelque chose de très spécial. Quoi. Comment tu as perçu la chose lorsqu'on t'a annoncé que tu devais faire l'ouverture de la CAN? En tant qu'artiste, à la première seconde, tu dis « Ah, j'arrête la musique, je suis arrivé, donc j'ai fait ça là. » je rentre à la maison, j'arrête la musique. Quoi. Mais après, je me suis remis, j'ai dit « Non, c'est une des bénédictions les plus grandes. » Surtout lorsque, oui, en Afrique du Sud, je suis connu, mais mondialement, maintenant, je commence par ça. Et c'est le début de mon année 2017. Quoi d'autre tu veux? Voilà un peu. Donc, merci à Dieu et toute ma nation qui me supporte et tous les fans. Voilà un peu. Est-ce que tu avais déjà une relation particulière avec le Gabon avant de... Tu connaissais le Gabon? Tu connaissais le Gabon? Je connais le Gabon. J'ai eu à voir deux, trois chansons. Et malheureusement, ces jours-ci, on est perdu parce que la musique, tout le monde fait cette musique africaine. Tu sais pas, c'est Gabon, c'est Cameroun. C'est... Ouais. Mais c'est la première fois que je pose mes pieds ici. Je ne suis pas déçu. Je compte même revenir. Je vais travailler avec... j'étais avec hier Angie Bling, avec comment il s'appelle, Troy. Vraiment, j'ai écouté la musique et voilà, c'est des gens avec qui j'aimerais travailler si on a d'autres, parce que moi j'ai vraiment l'initiative de réunir l'Afrique. Pas seulement les musiciens congolais, mais de réunir l'Afrique. Tu es parti de l'Inde pour l'Afrique du Sud, tu as décidé d'avoir un style typiquement africain. Est-ce que tu penses que c'est le moyen pour nous les Africains de nous imposer culturellement dans le monde, avoir notre style particulier? Oui, c'est vrai déjà qu'on le sait tous que l'Afrique est en train de grandir dans le terme artistique, dans tous les points. Maintenant, il y a même des films, des grands films Hollywood tournés en Afrique, des films africains. C'est vraiment notre temps. On est en train de venir. Alors, je me suis dit, oui, j'ai le Zamunda, mais vous n'avez écouté que la partie, je ne vais pas dire commerciale, mais la partie tribale, traditionnelle. Mais ce que je fais vraiment, c'est comme ça qu'on m'appelait en Afrique du Sud, « the cocktail music guy ». Cocktail. Pourquoi je dis cocktail? Parce que j'essaye de faire le mélange le plus parfait entre notre musique africaine et la musique extérieure. Alors, je vais en boîte, j'écoute une musique, l'européen, l'américain se retrouve, l'africain se retrouve. C'est vraiment ce mélange-là. Alors, oui, je pense qu'en ayant créé ce style, je pense qu'on pourrait toucher le monde entier, même si la source est africaine. Tu arrives à t'imposer en Afrique du Sud parce qu'ils ont aussi un rythme... Ouais. Le Kwaito. Le Kwaito. Non, ils ont un autre. L'électro. L'afro house. Maintenant, ils appellent l'afro house. Oui, j'ai vu que j'ai passé un bon temps là-bas. J'inclus aussi cette partie de l'Afrique du Sud dans ma musique. Donc, c'est comme ça que je viens travailler avec Oskido et les autres. C'est vraiment une grande expérience pour moi, un mélange culturel de malade. Bon, tout ça là, c'est seulement pour la musique. En même temps, on est là aussi pour la CAN. Moi, j'ai toujours ma question. Tu es pour quelle équipe? Bon, sans discuter, là, il n'y a pas réfléchi. Normalement, là, il faut bien réfléchir. Parce que là, il faut bien réfléchir. Son équipe est qualifiée. Hein. Bon, tu sais, ça, avant même de réfléchir, donc il n'y a pas le choix. C'est d'abord le Diable Rouge du Congo. C'est la mienne, donc c'est les Léopards. Ah, les Léopards, RDC. Le Diable Rouge, c'est... Le Diable Rouge. Oui, il y a l'autre, c'est pas l'autre. L'autre Congo, l'autre Congo. L'autre Congo. Oui, c'est Brazzaville. Donc tu es pour les Léopards. Oui, Léopards, donc 100%. Voilà, des deux équipes. Parce que c'est vrai qu'on a eu à arriver à certains top 3, top 5 auparavant. Et voilà, on espère que cette fois-ci, qu'on aille le plus loin possible. Rokonolo, ça veut dire quoi? Ça vient de l'anglais, c'est rock on the low, pour dire le rocher en dessous. C'est ce que j'appelle moi la foi.
la fondation. Mmh. D'accord. Alors, c'était en anglais, Rock on the Low, mais avec le, la musique africaine, c'était trop Rock on the Low, c'était trop américain, mais ça, c'était pas, ça donnait pas. Et de Rock on the Low, c'est parti à Rock on the Low, et puis africanisé à Rock on the Low. C'est comme ça qu'on a su. Là, c'est quand ça, Rock on the Low, pourquoi tu as mis dans cette vidéo? Parce que la vidéo officielle va arriver. Tu aimes la danse, hein, ça se voit. Non, ça c'est moi. Tu l'as tourné où la vidéo? Au Congo. Tu es le genre de gars, quand il rentre en boîte, il danse jusqu'à la sortie. C'est avec le t-shirt mouillé. Ce gars, on l'a vu, il a acheté une bouteille et la bouteille elle est même pas finie, il est là depuis 4 heures. Je la touche même pas. Parce que quand je vais en boîte, c'est pour danser. Mmh. Je ne sors déjà pas beaucoup, mais quand j'y vais, c'est la musique. Je vais danser du début à la fin, et puis ouais, ça fait plaisir, les gens regardent et tout. Ah, ils kiffent et tout. Mais oui, ça fait plaisir, c'est ce que je fais, c'est la danse. Donc demain, tu vas danser au stade? Oh, Rokonolo. Demain, du ça début va à la fin. Oh, je risque même de jeter les micros Rokonolo là par terre. Hein. Il a dit, il va jeter le micro par terre. Et c'est qui Mombi? Alors, Mombi, c'est un grand artiste d'origine congolaise, mais comme on l'appelle maintenant, vraiment, c'est vraiment, il est congolais, il est congolais, mais comme on l'appelle, monsieur international, c'est vraiment une fierté congolaise qui évolue à l'extérieur, qui a eu à travailler avec les grands comme Econ, Pitbull, c'est vraiment la fierté congolaise, et là, aujourd'hui, il a un label qui s'appelle La Click Music, où je suis signé. Et voilà, c'est le gars qui veut aider les jeunes talents, qui veut avoir, qui veut voir le Congo promouvoir, l'Afrique promouvoir. Et c'est avec lui que je travaille. Mais oui, c'est un grand Mombi, Grammy Award winner. Ouais. Il a gagné le Grammy. Quoi d'autre? Je sais pas, il y a un tas de trucs. C'est vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, quand on cite son nom, on est fier d'être congolais, quoi. Et toi, c'est une autre vision de la musique congolaise. C'est peut-être un cliché, pas peut-être un cliché, c'est un cliché. Dès qu'on pense congolais, on voit Ndombolo en fait. Voilà. Et toi, tu arrives avec un autre style. Où est-ce que tu aimerais arriver avec? Où est-ce que tu aimerais l'emmener? Comme on disait tout à l'heure, j'ai une vision vraiment internationale. J'ai remarqué, il y a beaucoup de critères dans la musique, beaucoup de paramètres. Nous sommes limités à atteindre certains pays à cause de la langue. Notre musique a toujours été belle, on a beaucoup de bons musiciens, chanteurs et tout, mais juste à cause de la langue, il y a un certain territoire seulement que ça va atteindre. Juste à cause du type de musique, il y a un certain territoire que ça va atteindre, qui sera atteint, mais ça ne va pas aller au-delà. Alors je me suis dit, je ne veux pas que ce soit comme ça. Ce talent n'est pas seulement pour mon petit territoire, c'est pour le monde entier. Alors c'est comme ça que j'ai réfléchi, j'ai dit ok, déjà je m'inspire du truc sud-africain, dans ma musique je mets du Lingala, à un certain moment je mets cette guitare congolaise. Donc ce que je dis, ce que vous avez vu là, Rokonolo, c'est juste la base des choses, c'est la partie tribale. Quand vous aurez le temps d'entendre le reste, vous allez retrouver cette congolisation, vous allez retrouver le ça, style vraiment, de ça, c'est un mot congolais quoi. Congolisation. Il y aura de la congolisation et puis vous allez voir comment ça, la grandeur de la musique que j'essaie de produire. Lumino, on nous a dit que tu as un emploi du temps chargé. Oui, on va vraiment te libérer. On va encore te remercier d'avoir accepté notre invitation ce matin pour venir confirmer ta présence au concert qui va avoir lieu demain. Et au concert de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Tu vas nous chanter Rokonolo. Merci, c'était Lumino ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station humaine dans l'Euda Fresh Morning. T'as un dernier mot à dire à tous les Gabonais qui t'écoutent? Alors les Gabonais, merci de m'avoir accueilli. C'est un grand honneur, un grand plaisir. C'est la première fois, mais pas la dernière fois. Je reviendrai très bientôt en featuring beaucoup de vos artistes. Et comme on dit en Lingala, Bomoko, restons un et allons de l'avant. D'accord. Urban FM.fr.